avec pas mal de monde, toujours des gens qui rigolent, c'est génial. Donc il y a tout ça comme gens. Press tab pour voir le nom des gens. En ce qui concerne les règles, c'est du vanilla. Donc pour les deux drops et l'abso, c'est du vanilla. Il y a les golden heads qui sont on et qui donnent 4 cœurs. Il y a les melons scintillants qui se font avec un bloc d'or. Les ghasts qui drop de l'or. Sinon après il y a la difficulté qui est en hard. Donc faites gaffe dans les caves. Mais il n'y a pas le spawn des witch parce que c'est un peu chiant. Il y a le cycle jour-nuit qui est activé. Et en ce qui concerne les scénarios maintenant, c'est un RVB, comme vous pouvez voir avec ce magnifique spawn fait par Coco. Et c'est en séparité de teams, donc on va tous spawner tout seul. Et avec le plugin Mumble, on doit se retrouver, ou du moins retrouver les gens qui sont dans votre team, qu'on va faire là tout à l'heure, avec donc en random, avec cette petite cage. Et après, les mecs, il y a des, on va essayer d'éviter absolument le tryhard dans la saison parce que c'est un peu chiant et c'est juste no fun. Donc il y a plein de gentleman rules qui sont pas dans le plugin, donc du coup c'est vous qui devez faire ça et essayer de pas ruiner la saison de tout le monde. Donc déjà le PVP est interdit avant l'épisode 2 et il est déconseillé avant l'épisode 3 parce que ça sert à rien de faire un épisode ou un épisode et demi. Ensuite #UMK3. Exact. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, là, vous devez sortir du Nether et des grottes début d'épisode 5. Et à la fin de l'épisode 5, vous devez être à peu près en moins 300. Juste, continuez pas à miner après l'épisode 5. En gros, c'est ça. Sinon, le Nether est on. Les potions de niveau 2 sont off. Les potions de force et de poison sont off. Quoi d'autre? Il y a les pièges qui sont interdits, donc Overworld comme Nether, la camp portail pareil. Les sauts de lave pour la saison sont interdits, que ce soit Overworld ou Nether, parce que c'est cancer. Et il y a aussi un autre truc, c'est que vous avez le droit à deux pièces d'armure en diams, qui sont le plastron et les bottes, rien d'autre. Vous faites un plastron, vous faites des bottes. Et si vous, il vous reste du diamant, si vous voulez faire des épées, c'est libre à vous. Mais en soi, je vous rappelle que on est 16, donc vous avez 7 outmates habillés. Donc c'est un peu con comme choix de faire des épées. Voilà. Ensuite, évitez de faire au-delà du P2 ou proche prod 2, parce que ça sert à rien. Vous allez juste avoir un point de vue qui pue la merde. Et voilà. C'est pas du no bookshelves. T'as dit quoi? C'est pas du no bookshelves. Non, pas du tout. Ah, ça doit être un autre truc alors. D'accord, parfait. Merci pour cette intervention hyper utile, Maroli. J'en ai une autre après, t'inquiète. D'accord. On se demande pourquoi tu fais pas des vues. Sinon, essayez. Drop the mic. Essayez d'être le plus fair play, le plus team play possible dans cette saison. Donc, si vous avez plein de diams ou plein de trucs, bon là, il y a que deux pièces. Fait des teams. Essayez de partager. Et un autre truc hyper important pour tous les UHC players slash tryharders. D'accord. C'est en no rod les mecs. Donc vous avez pas le droit d'utiliser les rods pour PVP. Non, j'ai fait l'intro et tout vous faire mettre. Ouais. Dans les teams. Vous pouvez tous vous démute. Ouais. J'ai quelque chose à dire. Ouais. Lac plus. D'accord. Revendication. Le biscuit. Le biscuit. Et Bouli est dans les teams. Bouli, t'es le pute. Ouais. Moi. Grosse merde. Bleu. Ensuite, qui en a? Moi. C'est Coco, hein. Lui. Moi. Donne-moi du ta semence. On a Chovax. Donne-moi du ta semence. Waouh. Ouais. Putain, je voulais donner du projet. Mais j'ai réussi ma vie. Pourquoi j'ai un bug dans les mains? Ensuite, parce que quelqu'un t'a dit que tu peux le mettre dans ton inventaire. Ensuite, on a Shinya. Rouge. Qui est rouge? Ouais, j'ai l'impression. Qui a pas été tapé dans le truc. Moi, je veux pas être un pony. Ensuite, je veux être avec Bay. Ensuite, yeah, Kijlot, Ouais. Moi, je suis contre Mouli Bay. Putain, j'aimerais tellement être avec Shinya et Chobax. Ok. Ensuite, on a Shazin qui est dans l'équipe bleue. Yes. Non, faut pas que je sois dans l'équipe bleue. Moi, je vais être dans l'équipe de Shazin. Hein. Ah, non, t'as fait. On a Shazin, mec. Moi, je suis bleu, c'est là, ensuite, Edo, qui est dans l'équipe bleue, il manque. Ah non, pas Edo.
Ah, je savais qu'il y a... Mais non, putain, mais non. Please, quoi. On peut plus, Dedo. Oh, oh non. Marrant, on est pas ensemble, putain. Allez, on pique. Alors, qui va être les troisièmes? Qui va être les cinquièmes? Incroyable. Attends, faut que je vois qui c'était dans mon équipe. Alors attends, y'a Shazin. Y'a Moulinette, y'a. Non, mais y'a les couleurs de toute façon, Edo. Ouais, y'a pas. Si, 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 y'a les couleurs, y'a les couleurs, ils l'ont dit. Oh, au cas où, c'est bugué ce jeu. Go, 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 go. Ensuite, nous avons Image. Ah, merde, c'est pas encore lui. Yes, on est avec Image. Oh putain, on a Image, du mec. C'est la team LOL. Putain, on a une bonne team. Hey Image, on est con. On avait... pas le fantôme. Oh non. Il en manque un. Il en manque un avec nous. Il nous faut IQ et Coco. Nous avons White Ox qui est... Non. Oh putain, ouais, Kingdom Cancer. Il a le micro, merde. On le là. Du coup, le prochain qui est team bleu. Personne. Ah mais attends, non, on est 7. Du coup il reste 2 bleus. Un bleu pardon. Donc là il reste 3 bleus qui restent. Allez Coco. Attends, what? Oui non il y en a trop mais c'est pas grave. Alors, en gros c'est grave. Si les bleus pour crafter. Alors t'as une chance, bah en gros. Mais t'as un bloc blanc et il doit choisir. Avec Guillaume rouge. Oh là là, on va voir Coco les gars. Du coup on a Coco avec nous. Moi je pense. Ou CH. Coco ou CH? Bon, CH? Entre CH. Pas CH. Putain, il nous faut pas CH. Yes! On a Coco. Bon, bah, les gars, on est bleu. Nice! Nice! Bon, bah, on se retrouve. Pour le prochain épisode. Peace. Ok. Salut, bonjour à tous. Donc bienvenue pour la saison 2 de KTE, de Kill the Epsilon. On va éviter d'éviter de faire crash le serveur. Ah voilà. Non, c'est le serveur crash pas. Faut juste pas bouger quoi. Donc un petit UHC tranquille avec des poteaux. On est en Red versus Blue, en separate team. Et je suis dans la team bleue, dans la team d'Abeda. C'est swag. J'espère croiser quand même quelqu'un en passant. Parce que j'ai pas envie d'être tout seul jusqu'au début quoi. Enfin jusqu'à la fin quoi, pardon. Excusez-moi. Alors nous sommes avec Edo63, Imagex, Kijlon, Moulinette, Rodaquin, Witox et Coco. Donc c'est bon, tout le monde est TP, faut juste un peu attendre, c'est vraiment pas la mort. Bon les mecs, on va... Alors déjà, il y a pas de Full Games, il y a du Patron et du Botin comme l'a dit dans l'intro CH. Donc c'est une saison moins tryhard, on va dire. C'est une saison plutôt tranquille. Genre on s'amuse, vous voyez. Enfin, on va pas. Je veux dire, on va pas tryhard le. On va pas tryhard la game, quoi. Je veux dire, on va pas essayer de viser la win. On va essayer de viser le l'humour, tu vois. Donc faire une bonne game, quoi. Quelque chose d'amusant, n'est-ce pas? J'espère que vous avez compris. Du coup, go. Est-ce que c'est bon? On peut y aller ou pas? Donc là, c'est la génération. Si on bouge pas, ça veut dire qu'ils pré-gênent la map. Go, c'est parti!
Donc faut que je vraiment je croise des gens dès le début. Allez, on va prendre du bois, ça va être nice tout ça. T'as zéro lag, nif, ouais. Là j'avoue, GG pour le serve. Hop, on va faire une pioche. Franchement, zéro lag, c'est vraiment parfait. On va faire la base, donc du coup une épée en pierre. Hop. Là. Une épée en pierre, une pioche en pierre, une hache en pierre. On va chercher de la bouffe. Il n'y a que du lapin, on va pas prendre de lapin. On va peut-être prendre d'abord des vaches, des choses comme ça. Ah bah tiens, parfait, il y a des vaches là-bas. C'est parfait. On va éviter de d'aller vite. Pour le premier épisode, on va prendre de la bouffe quoi. On va un petit peu miner et prendre de la bouffe. Et ouais, on va se balader surtout. La map fait 2000 x 2000, donc franchement, c'est rare qu'on croiserait quelqu'un. Ah, il y a de la canne à sucre de partout, c'est parfait tout ça. Alors j'espère vraiment croiser au moins quelqu'un de ma team et non un autre random de la team rouge. Cette saison on est 16, enfin ce sera la dernière saison de toute façon. On est 16, donc il y aura deux teams de 8. Et j'aime beaucoup le concept, donc franchement je remercie ACH de m'avoir invité. Pourquoi y'a pas Kotlin? J'ai la flemme de faire des fours. Canne à sucre. C'est nif tout ça. Marco! J'essaye d'entendre des gens. Oula, oula, oula. Ok, d'accord. J'étais glitch. Je suis tombé dans un trou. C'est parfait tout ça. Et Do qui a perdu un cœur. Oh putain, ça commence très bien. Ouais, faut vraiment qu'on se retrouve parce que si tout le monde meurt en solo, ça serait vraiment dommage. Ah tiens, alors déjà le. Donc je vais retenir. La bouffe de mouton, bah se drop pas. Enfin. Les moutons drop pas. Ah! Salut! Salut, ça va? Ça va et toi? Du coup, vas-y. J'en ai pas là. J'en ai. J'en passe un peu? Non, c'est bon, pas besoin, je vais en chercher. Non, mais si tu veux, hein. NP, NP. Putain, où sont mes mates? Bon, je te laisse. Ouais, faut que je me. D'ailleurs, c'est moi où la saturation est totalement à chier? Ouais, mais moi je trouve plein de bouffe en fait. Ah ouais, tranquille. T'inquiète, y'en a plein. J'ai vu des poulets pas loin, donc vas-y, go. Ouais, ouais, bah, je comptais y aller de toute façon. Y'a une montagne là-bas si tu veux. Ouais. Allez, à plus. Donc, on a croisé Chobax qui n'était pas dans notre team. Complètement dommage. Oh, pire YOLO, hein. On pourrait tenter une aventure solo les mecs. Hein. Franchement, ça peut être worse. Hein. Miner solo, franchement, ça évitera de perdre du temps sur le minage. Enfin voilà quoi. Comme ça, on sera rapidement enchanté. Ah bah tiens, on va fermer les arbres. Les arbres à marée.
Alors, niveau vie. Il y a juste les deux qui a perdu un cœur. Un cœur, pardon. Ouais, on va les miner dans 10, dans 4 minutes, 5 minutes quoi. Tac. Ouais, on va essayer d'avoir des pommes rouges. On va casser cette arme. Je vais plutôt aller là-bas parce que il y a plus d'arbres à pommes. En plus, on est dans un marais, franchement, les pommes c'est worse en marais. On va prendre cette canne à sucre surtout. Bon, son Minecraft, on dirait qu'il est pas très fort. Je vais un peu le monter. Voilà, comme ça c'est parfait. Ah, franchement. Je suis fier de jouer sur un save qui like pas. Je remercie Chobax. Allez, on prend masse bois, on se met bien. On a déjà une pomme, c'est parfait tout ça. Oula, attendez, je vais juste déconnecter. Voilà. J'entends des zombies en plus en bas. On va creuser. Ouais, par contre, la code image quand même. Ah non, ça va, les codes égaux aussi, il lag. Bon, on a du fer, il me faudrait du charbon. Le zombie, je sais pas du tout où il est. Ok, on a deux pommes rouges. J'essaye d'un peu plus parler comme ça les autres m'entendraient. Enfin, ils vont m'entendre, j'espère qu'ils vont m'entendre. On pourrait tenter une expédition des airs, franchement. Ouais, putain. C'est moi, je suis désolé. Mais ferme ta gueule! Ok. Ah, c'est Edo 63, allez pas voir sa chaîne. Je dirais pas ça. Hein. Toi, tu connais EP Forte et tout, là. Mais qui s'en vante. Je suis désolé. Mute-toi, please. Hop, ça fait 12 livres. Et vous pouvez arrêter de parler, s'il vous plaît. Bah oui, mais. Putain, mais quel cancer ce mec. Eh, hey, tu veux pas que ça arrête de m'insulter. Bon. Hop, ça fait un peu plus de bouffe. On va faire cuire plus tard. Putain, mais Maro, mute-toi s'il te plaît. Au moins, mute-toi un peu s'il te plaît. Oula.
Ok. Donc, ouais, donc ça c'est toutes les. Ok, c'est bon, j'ai trouvé le. La grotte. Il y a du fer. Pas Link. Ok. On va éviter de. Je sais pas si il y aura un lag. Non, c'est bon. Tout va bien. Mute-toi, s'il te plaît. Maro, mute-toi. Maro, mute-toi. Ok, bon, on a du charbon les mecs, ça c'est pas mal ça, c'est déjà bien. On va peut-être se mettre full fer, hein. On va faire les petits stuff de base. Oh, j'entends araignée. Y a-t-il un mineshaft? Parce que j'ai 7 plumes. Y a un lac de lave surtout ici. On va couper la source. On va faire des torches. Ouais, bon, cette fois on va faire des torches parce que des fois vous voyez pas dans mes grottes. Je vous comprends. Transformé en bois, colt le fer, on fait pioche et saut. Ah merde, je vais faire une pioche, merde. je voulais faire une épée, hop, comme ça je suis mieux protégé. On reprend le fer. Ouais, je voulais juste me faire une épée, une meilleure épée, une meilleure pioche. Alors j'ai entendu des araignées par là. On va surtout prendre le flint au cas où si on trouve des ficelles. Niveau co, ouais, on est en moitié, je dirais. Alors, je sais pas du tout si c'est une araignée venimeuse ou peau. Hop là. On va éviter parce que sinon, si elle me met un coup comme ça, ça serait pas normal. J'ai des glitches sur des blocs assez impressionnant. Ok, creeper, salut. Oula. Bon, des fois les creepers. Non, parce que des fois j'évite de me prendre le coup de bâtard par un creeper, donc. C'est pour ça que j'évite de m'approcher d'eux. J'entends une araignée encore. Qui a rien. En plus de charbon. Bon, les mecs, on peut se mettre full fer, mais bon. Faudrait qu'on aille plus vers la couche d'Iams. On va essayer d'aller rapidement dans les airs parce qu'on pourrait croiser des gens, je pense.
Oula, 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 lag. Ok, c'est bon. Yes. Il en faudrait une en plus, ce serait bien. Je pourrais avoir un arc dès le début. Il n'y a pas de rod, hein. Ça sert à rien de faire des rods, il n'y en a pas. Donc oubliez les rods. Hein. Vaut mieux que je fasse un arc. Bon, bah c'est plutôt tranquille cet épisode. Juste un peu déçu de ne pas avoir croisé un teammate. J'ai croisé Chobax tout à l'heure, hein, qui était rouge. Ah putain, on est en train de perdre des vies dans notre team. Bon, ça va, c'est juste des demi-coeurs. On a deux pommes rouges. Franchement, je suis pas déçu. Allô ? Arco ? Je crois entendre un micro. Il faut que je trouve un lac de lave quand même. Et là je tombe sur du diamant. La chose où je vais jamais tomber. MDR. Qui se rappelle quand je tryhardais. Qui se rappelle quand je tryhardais. Bon attendez, je vais faire cuire le fer. La bouffe. Comme ça, ce sera fait. On a quand même pas mal de livres. On pourrait faire peut-être les bibliothèques. Enfin, j'ai pas envie de tryhard, je veux dire. J'ai envie de dire, je peux en profiter, quoi. Vu que. On me donne masse canne à sucre dès le début, alors. Ouais, la dinoir serait peut-être une bonne idée pour une saison prochaine. Enfin, s'il y en aurait une, bien entendu. Mais comme c'est la dernière, c'est pas possible. Hop, un petit full fer. Tu fais plaisir. Allez, on balance tout ça. Ah, il nous faudrait juste une petite ficelle, quoi. Rien qu'une petite ficelle, et ce serait bien. Franchement, ça serait worse tout ça. Hop. Hop, on va refaire une pioche de toute façon. Ah, il nous faudrait vraiment du diamant. Mais je trouve pas de grotte en fait. C'est bientôt la fin de l'épisode du coup. On va se laisser là. Hop. Bon bah les mecs, il reste 20 secondes. Un épisode plutôt solo déjà, hein. Et on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao.